C'est quoi? C'est-à-dire, j'étais dans une église. Tu étais dans une église? Oui, et puis je voulais partir et le Seigneur m'a dit, c'est lui qui m'avait envoyé, que j'attende qu'il me fasse. Ah ben, il faut faire ce que le Seigneur dit. Oui, et une semaine après, il m'a dit de partir, de ne plus partir de là. Il m'a montré votre photo. Donc le Seigneur lui a demandé de quitter une assemblée et il lui a montré ma tête. Et il a dit quoi? Il m'a donné votre nom. Il t'a donné mon nom, le Seigneur. Tu ne me connaissais pas? Non. Attends. Ça m'intrigue. Dieu lui a dit de quitter une assemblée. Tu peux parler plus fort parce qu'on ne s'est jamais vu tous les deux. Oui, j'étais dans une église à Maison Alfort. J'avais trop de problèmes parce que je cherchais l'église à l'époque. Et le Seigneur a envoyé un frère. Il m'a amené dans cette église. Quand je suis arrivée, j'ai eu la paix. Et tout récemment, je voulais quitter cette église parce que j'avais l'amertume. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et le Seigneur m'a dit, c'est moi qui t'avais envoyé dans cette église. C'est moi qui te demanderai de quitter encore cette église. Et une semaine après, je dormais et j'ai eu des combats dans la nuit. Et Dieu a ouvert mes yeux. J'étais couchée. Je voyais comment les gens couraient autour de ma maison, mais ils ne voyaient aucune porte. Ils venaient par la fenêtre, ils n'ont pas pu entrer, et ils sont rentrés derrière mon oreiller, et mon lit s'est soulevé. Je ne dormais pas, je voyais tout enceinte. Après, le Seigneur m'a dit, maintenant tu ne pars plus dans cette église. Et il m'a montré la photo du frère Chora, et il m'a donné son nom. Assise, il m'a dit « Chora ». Et je récitais ça jusqu'à 6 heures du matin. Quand je me suis levée, j'ai dit « Il y a Aura, mais ce n'était pas tout le nom. J'ai oublié une partie. » Et puis le Seigneur m'a dit « Il y a ta sœur Béatrice qui prie avec toi tous les soirs. Vous l'avez vue quelque part. » Et quand j'ai appelé la sœur Béatrice, elle a commencé à me dire « Mais je ne sais pas. On n'a jamais vu un pasteur. » Et elle a dit, elle a commencé à parler en langue. Elle m'a dit, c'est le frère Chora. J'ai sursauté. J'ai dit, oui, c'est lui. Et quand j'ai tapé sur mon téléphone, j'ai vu la photo qu'il m'a montrée. Il avait le t-shirt blanc. Et puis... Seigneur! Hey, frère, Dieu me connaît! Non, là. Et honnêtement, parfois je me dis, Seigneur, j'ai l'impression que tu n'es plus avec moi. Dieu, Julien. Non, ça c'est le plus beau cadeau que le Seigneur me fait aujourd'hui. Dieu me connaît. Non, je... Dieu me connaît. Hein? Seigneur Jésus. Frère, je veux dormir ce soir comme un bébé. Ça, c'est vous ne pouvez pas vous imaginer. Quand tout le monde dit tu es antichrist, et Dieu dit, ah non, Seigneur, le cadeau que je vais t'offrir là aujourd'hui, là. C'est réglé pour toi. Tout est réglé. Ah non. Aurélie, Dieu, la corne du salut, nous sommes plus de 7 milliards sur terre. Il a dit qu'il connaît chacune de ses brebis. T'inquiète pas, il te connaît aussi. Mais moi, je suis surpris parce que vous savez, je vous dis, je pleure tout le temps. Parfois, je me dis, je vais me barrer comme ça, personne ne me verra. La dernière fois, je disais, on va retirer toutes les vidéos du net et je me sauve. Je vous dis. Mais après, je me dis, si je prends l'avion et que je ne suis pas dans sa volonté, ça risque de tomber. Si je prends le bateau, voiture, je dis, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce. Seigneur, c'est par grâce.
Où sera... J'arrive, je vais. C'est pas grave, Seigneur, où sauvez-moi. C'est pas grave, Seigneur, c'est pas grave. À présent, moi qu'à chanter, alléluia. Amen, tu as une belle voix. À présent, moi qu'à chanter, alléluia. Alléluia. À présent, moi qu'à chanter, alléluia. C'est pas grave, Seigneur, c'est pas grave.